Salutations, multi-amis YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans This is the Palace pour suivre les aventures de notre commissaire droguerie pou alcoolique, mais quand même au bon cœur. Et on va donc suivre ses aventures. Donc, je rappelle quand même que, enfin, un rapide résumé, hein. On n'a plus notre femme, on essaie de la retrouver, mais on n'y arrive pas vraiment. Quand on a eu rendez-vous avec elle, on s'est pris un putain de coup de matraque dans la gueule, on est resté 2 semaines à l'hôpital. Petit peu problématique. On s'est allié avec Sand pour la mafia. On essaie de faire des sous. On essaie de faire 500 000 dollars avant qu'on soit viré au jour 180. On a appris aussi, on a fait ami-ami avec une nénette qui s'est fait violer par le maire, mais qui veut pas se servir de ça pour le faire tomber. Et surtout qui va devenir procureur. Donc ça peut être utile si quand elle deviendra procureur. De coller, enfin on pourrait voir ce qui se passe du côté du maire parce qu'il y a pas mal de choses bizarres. C'est vrai qu'il se passe pas une semaine sans qu'on retrouve un cadavre qui a affaire avec le maire, que ce soit sa secrétaire, que ce soit une nénette qui fréquentait dans un dance club ou quoi que ce soit. Donc à se demander si le maire on peut pas le faire chuter quoi. Et ça serait tellement beau. Et ça me permettrait de garder mon boulot quoi. Allez, on va commencer la journée et on va voir. Comment ça se passe aujourd'hui? Ah, il y a deux choses. Donc ça, c'est l'appartement house. Alors déjà, lui, il faut qu'on aille le choper. On va envoyer Kochi et Birdie pour l'arrestation. Bah oui, tant pis. Ça a moins de chance, mais voilà. Alors, le serial murder a continué, sauf que cette fois-ci, c'est une femme de 40 ans, Veronica Larsen. Qui a été attaquée. Elle a été brutalement tuée à son appartement. Eh ben, on va envoyer nos meilleurs détectives et le SWAT, hein, parce qu'il faut bien les protéger. Et c'est pour ça qu'on a deux SWAT d'ailleurs, hein, maintenant. Change détective. J'ai pas envie de changer mes détectives, hein. Ouais, bah, dis que c'est fail si tu veux. Moi, je dis que c'est pas fail du tout. Ils ont tous progressé. Et j'ai sûrement pas changé les détectives qui ont plus de 1000, quoi. Mais ça, à première vue, c'est pas pris en compte pour l'ordinateur. Bon, ça c'est forcément trouvé. Voilà, close. Ok, ils ont tous pris des points, ça c'est cool. Une tentative de meurtre. Bon, on va envoyer. Voilà, 4 personnes, ça devrait suffire. Alors, encore une fois, il y a 3 images qui ont été trouvées. Une écharpe, un truc de sadomaso et une corne. Bah ouais, on va prendre quoi. Mais j'aime bien parce qu'ils arrivent, il y a un cadavre et ils savent même pas ce que c'est qui a égorgé la nénette. Ouais, c'est quand même spécial. Dans un jour, je vais pouvoir faire quelque chose. Sand, c'est non. Et eux, de toute façon, ils peuvent pas faire grand chose. D'accord. Donc ça c'est les services qui peuvent me rendre en fait. Ouais, par contre 35 000 dollars pour tuer quelqu'un du comité. Ça risque d'être violent quand même. Enfin bref. Ouais, bon on va envoyer eux deux et Purdy histoire de coacher toute seule. Pire, je pourrais l'envoyer en intervention, elle a quand même 725. C'est comme Mamie Ninja, c'est une future Mamie Ninja en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais, ça c'est une fausse alerte, tant pis. Non, on va essayer de le choper le dentiste là. C'est comment le serial killer il commence vraiment à merder, à faire chier le monde. Alors. C'est un jeune couple. Il y a. Ouais, bon, ben. Donc, plusieurs chats multicolores courent de l'appartement et. Alors on va contrôler le mec, j'ai pas envie de m'emmerder. C'est un vieux fou de toute façon. Un accident de véhicule.
Hop là, la bleuzaille, ça suffira. Enfin, bleuzaille, si on peut encore parler de bleuzaille. Tiens, d'ailleurs, Percy et l'autre, ils sont pas revenus, quoi. Alors, shop vegan, qu'est-ce qui se passe? Un individu suspect. Ouais, c'est une vieille femme qui casse les pieds, on va dire. On a envoyé trois flics au cas où, mais bon. Alors, véhicule accident, voilà, c'est fait, rien de spécial à faire de toute façon. Carjacking, bon, on va envoyer Purdy et les autres qui ont besoin d'XP. Ça sera toujours ça. On a Gardner et Aquino qui viennent de revenir, tranquille, paisible au frais. Un individu suspect. Face à l'arme, ça m'étonne pas. Et là, il reste 20 secondes et 35 secondes, donc la 20 secondes va être la priorité. Sauf qu'il me faudrait plus de gens. Et comment on va envoyer le SWAT? Oh merde. On va le taser. Shoot him with the taser. Pas s'emmerder. Allez, 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 revenez, 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 revenez. Donc là, j'ai 8 secondes. Là, c'est une vendeur de drogue. Et là, c'est quoi? C'est un. Je pense que. Ah purée, il y en a 3. Bon, on va envoyer ici 3 personnes et le SWAT. Et le wagon. Ici, Reckless Endangerment. Ouais, on va envoyer eux deux. D'accord, ils veulent pas y aller. Bah tant pis. Je pourrais pas tout faire. Il y a Zano et Adams qui vont revenir. Je pourrais les envoyer là, au pire. En me disant que les autres, ça va prendre moins de temps. La gestion de l'urgence, encore une fois. Merde. Voilà. Parce qu'il faut y aller à 4 en espérant que ça aille. Et là, du coup, les 4, ils pourraient, s'ils se dépêchent de revenir. C'est gardé par. Voilà, on les a eus. Tac. Et tout seul, Adam, s'il pourra rien faire. Donc, on va voir. On va espérer qu'ils se reviennent vite, les trois autres. Il reste 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, j'ai pas pu cliquer dessus. Bah, tant pis, de toute façon, ça aurait été mort. Ok. Il faut que je lise les reports. Oh, on va laisser échapper. Civilian kill, ok. Et une fausse alarme, donc d'accord. La fausse alarme a coûté quand même la vie à une personne. Continuons dans notre journée. Parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire. Encore un rapport avec le maire. Donc si ça se trouve, c'est la femme de 40 ans, c'est pas une victime du dentiste. Enfin bref. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le maire. Le maire, c'est une pourriture. Hein. Oui, tu peux prendre un jour de congé à cause de ton père qui est alcoolique et de ta mère qui. Ton père qui, la dernière fois. Enfin bon, bref. Était épileptique. Il y a des fois, je me demande si c'est pas un peu du fake, hein, les raisons qu'il donne. Mais bon. Ok, donc on a une nouvelle affaire de gang. Eh ben, on va aller voir un peu. Oula, c'est du gang en plus. Ah, mais c'est pour faire tomber Christopher G. Sand? Ah, bah ben non, alors je veux pas le faire. On va l'arrêter. Tout simplement. Voilà. Il va pas être content, mais c'est pas grave. Alors, je peux upgrade mon SWAT encore. Oui. Je veux upgrade mon SWAT pour avoir 3 SWAT. Pour quand il y a ces merdes de dentistes, je te jure que je vais le coffrer, le dentiste. Enfin, du moins, je vais essayer de le coffrer. Donc, bon. Alors. On va envoyer Vandal et Wolf. Ok, c'est de la merde, mais bon. Ouais.
prendre la monnaie, la monnaie. Ça y est, j'ai plus d'un quart de ce qu'il me faut. Sauf que je suis bientôt à la moitié des jours. Donc bon, ça monte lentement quand même, les 500 000 dollars. Hein. Mais bon, on va y arriver. Je me refuse à vendre les armes aussi. Donc bon, eux, ils vont être pris toute la journée au City Hall. Ce qui est pas vraiment grave. Mon salaire, oh mon Dieu, mes 800 dollars. Je suis content, tiens. Alors, Chinatown, la police a reçu un coup de fil anonyme. Ouais, il y a des gens qui vendent de la cocaïne, mais on va envoyer du monde parce que, en fait, je veux choper de la cocaïne pour la revendre derrière. Ouais, je suis le chef de la police, ouais, et alors? Normal, quoi. Normal, normal. D'ailleurs, je me dis, ce jeu, ça pourrait faire un jeu pour téléphone, ça pourrait être pas mal aussi. Mais bon, après. Puisque les interactions sont assez simples. On va tout chercher. Oula! Non, on va shooter. Rien à foutre. Et on a trouvé de la cocaïne. Cool! On va aider la mafia à la vendre. Enfin, demander à la mafia de la vendre. Dans une ville de drogués finis, quoi. Mais bon, c'est pas grave. D'accord, un individu suspect, ça se trouve ça va être de la merde, mais on va envoyer trois personnes quand même. Voilà, tac. Ici, un assaut dans le ghetto. Et ici, on a quoi? Massive Fight. Donc, Massive Fight sur la plage, on va attendre un peu que les autres reviennent. Enfin, on va être obligé d'attendre que quelqu'un revienne. Si le City Mayor n'avait pas fait chier. Hein. Si le maire de la ville nous avait pas fait chier, on aurait pu envoyer Vol, Vandal et Bastian, qui auraient réglé la situation parce que Mamie Kung Fu 1200 quoi. Mais bon. C'est pas bien grave. Bon, espérons que là, ça se règle rapidement. Ok, dis-moi que c'était une fausse alerte. C'était une fausse alerte. Alors, The Man, d'accord, il a ouais, je sais même pas comment dire. Il a un miroir de Barbie à première vue. Et il fixe sa coupe de cheveux qui est ratée. T'es vraiment trop moche, on dirait ma femme. Ouais, tiens, on va faire ça. Voilà, tout à coup, t'es raté de toute façon, c'est clair. Allez, 10 secondes pour rentrer, les trois là, ça serait bien. Parce que j'aimerais bien y aller à la Massive Fight. Ça m'emmerde, j'en ai marre de rater des trucs. Allez, 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 on s'en fout. Et je vais pas pouvoir le faire. Ah non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Attends, on va t'envoyer toute seule du coup. Non, tu veux pas y aller seule, ok. On va t'envoyer. Hop. Et de l'autre côté, les gaz business activity. Font vraiment chier là, le mailleur. J'aurais peut-être dû attendre à envoyer un peu plus de gens sur le trafic illégal, mais bon, tant pis. On va voir s'ils ont besoin de renfort. Alors là, je suis sûr que t'aurais pu y aller seul. Voilà. Oh, il y a un civil qui a été tué, mon Dieu. C'est grave. Quoi, comment ça, je m'en fous? Bah ouais, un petit peu maintenant. On va aller voir quand même. Ah, les Galviano, ils étaient sur place. Tu vois, c'est complètement con qu'ils aient pas pu. Ah oui, la mafia qui va vendre ça. J'ai besoin de thunes, moi. Tu crois quoi? Mais eux, ils étaient sur place. Ils sont obligés de revenir au commissariat pour y retourner, quoi. Ouais, ça, c'est une fausse alerte encore. Enfin, une fausse alerte. C'est peut-être un vrai truand, mais c'est sûrement pas le dentiste, quoi. On va attendre, on va envoyer quand même 4 personnes dès qu'ils seront. Voilà. Bastian, hop, sûrement une fausse alerte, mais on peut pas prendre le risque. Fausse alerte. Ah, là il y a plus de choses. On va commencer à lire un peu. On a pas mal d'images. Ok. Alors, le corps déjà. Donc dans sa main droite, il a been surveyed, hein. Il s'est fait couper la main droite, ok. Et il a 3 balles dans le buffet.
Et il y a plein de sang autour du corps, ok. Donc déjà, bah, à première vue, il s'est fait couper la main. Hein. Après ou avant. Alors, je ne l'ai pas reconnu de premier abord, mais je l'ai vu à l'intérieur, Edgar Sanchez. Il est arrivé avec une dangerous looking woman. D'accord. Elle avait un AK-47 tatoué sur son... Pourquoi pas. Ma foi. Jusque-là, ok. En admettant qu'elle l'ait shooté et qu'après elle lui ait coupé la main. C'est quoi ça? Je vois pas vraiment ce que c'est comme... Ouais, pourquoi pas... Ouais. Je vois pas, bon bref. Donc j'ai entendu crier, je suis sorti de ma voiture. J'ai vu only saw man from behind. He had a gun in his belt. Il avait une arme à sa ceinture. Tac. Donc ce serait plutôt ça. Il avait des longs cheveux et d'accord. Alors, j'ai vu Edgar Sanchez in the street avec un homme avec une canne. Ouais. Scan. Game the cop. Mais je n'ai pas pu. J'ai essayé de les séparer. Je vois pas trop ce que c'est cette histoire. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Pourquoi pas. Il n'y a que cette histoire. Est-ce que ça serait pas ça? Ouais, bon, il y a cette histoire-là aussi. Je vois pas vraiment le rapport. Ça, celle-là, à mon avis, c'est celle-là ou celle-là. Et comme il parle d'une cane, je pense que c'est plutôt ça. Bon, de toute façon, c'est pas le bon scénario puisque il ne me le met pas. Donc voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Hein. Examination médicale. Donc, il vient de separate from the body while Edgar Sanchez was still alive. Donc, il était encore vivant. Ok. Il a été breathed in the political region where I found hard objects with a necklace or a club. Nightstick or a club, donc ouais, ça serait ça. En gros, il lui a pété les genoux, il lui a coupé la main et il l'a tué. Ok, c'est joyeux. Pourquoi, on sait pas trop, mais bon, pourquoi pas quoi. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon, là, j'augmente mon SWAT, mais pour moi, ça m'a pas servi à grand chose de l'augmenter. En même temps, augmenter mon salaire, pour moi, je me fais tellement de thunes avec la mafia que ça devrait aller. Et c'est la fin de la journée. Ok. Alors, face alerte, ok, fin de la journée. On va voir s'il y a une petite cutscene, peut-être. Checkpoint. Non, il n'y a pas de cutscene. Ok. D'accord, il y a des bikers qui donnent leur sang. Ok, pas spécial. Et Percy et l'autre, ils reviennent un jour ou... Non, parce que bon. Enfin, bref. Alors, la Police Academy. Teresa, Dishonor for the Badge. Oh, elle a raté son examen? D'accord. D'accord, et lui aussi, il a raté son examen. Ok, vous êtes tous les deux bidons. Soit tu great, ok. Alors, 3 fois par jour, ou augmenter la force, je préfère 3 fois par jour, hein, parce qu'on a dit qu'il fallait avoir... Enfin, vu que généralement les épreuves sont par 4, hein, d'après ce qu'on a vu. Et du coup, je peux pas engager une nouvelle personne, non, parce que Percy et l'autre... Enfin, je veux dire, bon, il manque un peu 4 personnes dans l'équipe B. J'ai 4 enquêteurs de chaque, donc il me manque 4 personnes dans l'équipe B quand même. On va peut-être essayer
Je peux pas recruter. Voilà, je peux pas recruter de toute façon. Donc on va faire des petits transferts. Il nous faudrait du moyen dans notre équipe. Donc toi on va te mettre dans l'équipe B. Et toi on va te mettre dans l'équipe B aussi. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle en chie l'équipe B, donc on va essayer de faire ça. Alors, d'accord, un homme étrange, machin, on va envoyer elle. Si c'est une vraie alerte, on verra des renforts. Si c'est pas une vraie alerte, 2, ça suffit largement. Surtout que 700 et 735, théoriquement, ça couvre quand même pas mal de choses. Alors, une bagarre, on va envoyer Roy. Ouais, on va pas trop se poser de questions. Non, mais j'ai plutôt envie d'envoyer Asano et Adams. Par contre, les autres qui étaient à plus de 300 et qui ratent leur examen, ça fait un peu chier quand même. J'ai envie de dire. C'est un peu bizarre. Mais bon. Ok, fausse alarme, comme je l'avais dit. Enfin, présumé du moins. Ah, par contre, ici c'est plus sérieux que ce qu'on pensait. Ok. J'envoie deux renforts. Alors, The Black Cage. Donc, ça c'est l'enquêteur, je crois. Ah, Mr. Boyle, nous avons préparé un long article sur le magazine Right to Life and the Theft. Enfin, le thème de l'article est. Sodomy de cop, hein? Sodomy de cop, pourquoi pas? Et en fait, il y a eu des problèmes avec. Enfin, la police aurait tabassé des gays, quoi. Il y a un pentagramme satanique. Mais c'est quoi cette connerie? Ouais, bah, si tu veux, j'ai l'impression que c'est de la connerie, ça. Je lis même pas, c'est de la merde. Voilà. Je sais pas ce que c'est cette histoire, mais bon. Alors, Roy, il s'en est chargé. Nickel. Ça lui fait des petits points d'XP. On n'a plus qu'à Kino qui a 300. Ici, ils ont réussi à le coffrer. Nickel. Ils n'ont pris que 5 points d'XP chacun. Bah. Waouh. Deux incidents. Ok, on va attendre que les autres reviennent. Toi, t'es plus urgent. Alors, animal abuse, mon dieu, il y a quelqu'un qui a violé une poule, on va dire, enfin une vache. On va envoyer Adam, Sazano et Akino. Et de l'autre côté, il y a eu un massacre, on va envoyer le SWAT même. Histoire que ça se passe bien, Roy qui vient de revenir, mais bon, moi ce qui a l'air tout simple, je pense pas qu'il puisse y aller seul. Mr. Boy, I want to shoot a safe to... Au pire, si je te loupe, toi, c'est pas grave. J'ai envie de te dire. Parce que bon, le problème, c'est que si j'y vais pas, il risque d'avoir un incident sur le lieu de tournage. Et si j'y vais, je risque d'avoir des policiers qui veulent se barrer. Massacre, c'était une fausse alerte, putain. J'ai claqué un SWAT pour rien, quoi. 15 secondes. Bon, il faudrait que vous reveniez vite, là, les gars. D'accord, j'ai 3 alertes sur la gueule. Ouais, allez, 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 hop là. 4 policiers, ça me fait chier, je suis obligé d'envoyer Roy avec. Ensuite, la plus urgente, c'est elle. Ça et le SWAT parce que why not, et les 19 secondes, bah ça sera ouais, ça va être la merde. Je peux pas envoyer le wagon seul. 14 secondes pour qu'il revienne, ça me paraît un peu ledge, mais bon, pourquoi pas. Hein. Avec beaucoup de chance, peut-être moyen. Hein. T'es encerclé. Nanana. Ok, on a réussi maintenant. À mon avis, ils reviendront pas avant 3 secondes. Chier. Ouais, je peux pas l'envoyer, tant pis. Un individu suspect, ça va être encore une fausse alerte, mais bon, où j'en suis. Ouais, ça c'est une fausse alerte. Tiens, on va envoyer le SWAT.
Oh, sérieux, vous voulez pas y aller qu'à deux? C'est une fausse alerte, bordel. Qu'est-ce que tu veux que le dentiste il se rende comme ça, quoi? C'est surtout un vieil homme. Ouais, un civil a été tué. D'accord, moi j'ai touché 8000 dollars, c'est déjà ça. Ça va être du fake, je le sais, mais bon, c'est pas grave. On pourra pas dire que j'ai pas essayé. Voilà. Oh, c'était une fausse alarme. Tu as gaspillé ton SWAT pour rien. Bon, putain, c'est la fin de la journée, fallait bien que je les utilise. Si je les ai achetés, c'est pas pour rien. Enfin, si je les ai achetés, si je les ai pris au City Hall, c'est pas pour rien. Il me reste encore une affaire en cours d'ailleurs. J'ai envie de dire, vous vous touchez les nouilles tant qu'à faire. Voilà quoi. Tant qu'à faire. Allez, fin de la journée. Bon, bah écoutez, mine de rien, ça fait une demi-heure. Donc on va voir un petit peu. À moins qu'il y ait une queue de scène. Voilà. Donc on va arrêter là pour le moment. Hein, encore une fois. Bon, il s'est pas passé grand-chose dans cet épisode. Mais on continue. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous donne rendez-vous très rapidement pour les suites de notre aventure de notre commissaire drogué et un peu ripou. Bye bye, une team YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.